Studio se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chasseurs de Com. Aujourd'hui, on part pour 3 coms, 2 en côte, 1 contre la montre. Autant vous dire que ça va faire très mal aux jambes. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Et c'est donc parti pour le premier com de cet épisode, le com du Clounet, qui commençait exactement ici. C'était un com qui partait un petit peu dans un faux plat et qui finissait dans une côte vraiment très compliquée, autant vous dire que ça faisait très mal aux jambes. Ici, on voit que j'ai déraillé. Alors, voilà pourquoi j'ai pu bouger pendant quelques secondes. On voit que là, du coup, je relance. J'ai déraillé. Oui, j'ai des soucis de déraillement avec mon vélo en ce moment. Faut que j'aille voir le magasin de vélo pour leur demander pourquoi, tout simplement. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion. Surtout avec le déconfinement, etc., ça a été plus compliqué. Donc, autant vous dire que j'irai rapidement. Il n'y a pas de soucis, surtout avant la reprise des courses. Mais j'ai déraillé dès que je tape un trou, en fait. Donc, voilà pourquoi j'ai perdu un petit peu de temps. Vous verrez que ça va me coûter potentiellement assez cher, mais ça va, pas tant que ça. Je vais pas perdre tant de temps que ça à cause de ce déraillement, mais plutôt beaucoup de temps à cause du vent. Je vous mets le vent à l'écran. Autant vous dire que ça faisait très très mal, hein. Le vent était très très violent sur nous. Autant vous dire que j'étais totalement collé et que mes adversaires qui ont fait le com et qui sont actuellement, eux, ne devaient pas avoir le vent de face durant la réalisation de leur com. Là, on arrive à peu près au pied du passage difficile, on s'en rend pas vraiment compte, mais là, il y a plus de 10% dans les jambes. Autant vous dire que ça fait très très mal aux jambes. Et là, je vais me débattre avec le vélo, on va tout donner jusqu'en haut. On va voir que c'est très compliqué, ça fait super mal aux jambes, mais j'appuie, et je suis plutôt efficace finalement. Donc je suis vraiment content de cet effort, hein. Sincèrement, j'ai vraiment bien carburé. Même si on voit qu'ici je suis à 16 km/h, mais c'est les passages les plus compliqués de cette côte. Donc voilà, on voit que quand je passe ici, je suis à l'agonie, hein. Je donne tout. L'objectif, c'est vraiment de continuer jusqu'à la ligne. Et la ligne, elle arrive un peu plus loin. Car oui, ça redescend légèrement, ou du moins ça monte un peu moins. Mais la ligne n'est pas encore arrivée, elle est vraiment un petit peu plus loin. Et là, on voit que je suis à 191. Autant vous dire que je me serais battu jusqu'à la fin. Et j'aurais vraiment tout donné pour faire le meilleur temps possible. Et quand j'ai fini ce com, je pensais être deuxième. Entre temps, je suis passé quatrième. J'avais fait 1 minute 57 et le premier est actuellement à 1 minute 49. Le deuxième, 1 minute 51, 1 minute 52 pour le troisième et je suis à 1 minute 57. Autant vous dire que le déraillement et le vent de face, ça m'a été fatal. Bon, je vais finir le premier com en côte, le com de la Clounet. Autant vous dire que c'était compliqué. Le com était super dur, en fait il y a 6% de moyenne, mais ça commence très très plat. Et là on a le passage qui est juste là, qui est à 10%, donc ça fait très très mal. Et après on a encore un petit faux plat qui arrive. Autant vous dire que ça fait vraiment très mal aux pattes, surtout là. Là où on est seulement en reprise après le confinement, ça fait vraiment très mal aux jambes. Bon, comme vous avez vu, ça a été compliqué, très dur cette côte, avec un pourcentage moyenne de 6%, dont un passage à 10%. Alors autant vous dire que pour mon genre de coureur, ça fait vraiment très mal aux jambes. Bon, on vient de finir de repérer le contre-la-montre, autant vous dire que ça va être très compliqué. On a vent de face tout le long, encore une fois, on n'a vraiment pas de sens. Le vent est encore de face, ça va faire très très mal. On doit mettre environ 11 minutes pour être premier du com. Autant vous dire que ça va être très compliqué. C'est plutôt découvert, le vent vient plutôt de la gauche et nous on va être sur la droite, donc on sera pas trop abrité des haies. Ça va pas être terrible, ça va être compliqué. Il y a 2-3 intersections, donc il faudra faire attention. Effectivement, le vent était encore de mise ce jour-là, et encore une fois, on n'a pas de chance. Le com commence ici, et on va avoir vent de face tout le long, ou du moins trois quarts face, mais on va être très souvent à découvert, et autant vous dire que dès qu'on tape à découvert, ça fait vraiment super mal aux jambes. Et on peut voir que ça commence directement dans une partie montante. On voit d'ailleurs que je prends les virages vraiment très serrés, hein. Je passe à ras des trottoirs dans l'optique de perdre le moins de temps possible. Mais comme vous pouvez voir, il y a deux adversaires. Tout d'abord, Loris, qui lui a fini en 10 minutes 21. Effectivement, il n'avait pas encore fait le com à l'heure où je faisais ce com, mais dorénavant, il a fait 10 minutes 21. Et on peut voir que Emile avait fait 10 minutes 38. Et moi, donc, je vais essayer de battre ce record. Donc, on va voir si j'y arrive.
Comme vous vous en doutez bien, eux l'ont fait sûrement vent à air parce qu'ils ont fait des temps incroyables. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à les battre? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais en tout cas ça va être très compliqué. D'ailleurs n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important, car là on part sur un com qui va faire plus de 10 minutes. Autant vous dire que ça fait très très mal aux jambes et surtout on est à bloc tout le long. On voit pas le cœur à l'écran, hein. Il y a eu une petite erreur, un petit bug, mais j'ai fait 189 de moyenne sur 10 minutes. Autant vous dire que c'est un truc de ouf, c'est énorme. Et ce com de la route des crêtes, c'est tout simplement un com où ça fait que monter, descendre tout le temps. Alors, il y a une côte qui est particulièrement dure, les autres sont pas spécialement dures, mais c'est toujours en prise en fait. T'es tout le temps soit dans des petits faux plats, des petites descentes, et ça fait vraiment super mal aux jambes pour le coup. Et autant vous dire que je devais me débattre avec le vélo jusqu'à la fin. J'avais un bon rythme, j'étais bien lancé, mais je vais devoir me débattre jusqu'à la fin pour pas perdre de temps et essayer de battre le fameux record que je devais battre. Alors là, on arrive dans la côte la plus compliquée de ce segment. On a déjà fait 3,4 km et on arrive vraiment dans la côte la plus compliquée. On va voir que la vitesse va descendre vraiment au fur et à mesure qu'on arrive dans cette côte. Mais elle était vraiment très compliquée et là vraiment, je me suis mis à bloc, je suis monté à 200, hein, très clairement. Et là, j'ai essayé de quand même stabiliser pour pas exploser. Parce que si j'arrive en haut totalement rincé, il me reste encore pas mal de kilomètres à parcourir. Donc autant vous dire que c'est pas stratégique. Donc là, j'ai vraiment temporisé pour ne pas exploser. Donc là on voit je suis à 19 km/h, c'est pas ouf, mais ça permet quand même de rester dans une bonne cadence. Je roule quand même assez vite vu la pente et je vais tout donner jusqu'en haut, et vous allez voir qu'une fois en haut je vais pouvoir relancer et repartir sur un rythme vraiment correct. Comme vous pouvez voir, il y avait des intersections dangereuses, mais le temps dans les intersections était enlevé. Alors je sais pas comment ils ont fait ça dans le logiciel, mais en fait les intersections, le temps qu'on y passait était coupé. Donc si on arrivait et qu'on s'arrêtait et qu'on repartait, ça changeait rien. C'est juste qu'on n'était plus dans le rythme et ça casse vraiment le truc. Et là comme vous pouvez voir, il y a un tracteur qui s'est mis devant moi. Alors au début je me suis dit trop cool, je vais pouvoir me mettre dans la roue et tout, ça va être trop bien, je vais gagner de la vitesse. Sauf que non, le tracteur roulait à 25-30 km/h alors que moi je suis tout le temps au-dessus de 30 km/h. Donc je vais le rattraper assez rapidement et en fait il va me gêner. Très clairement il prend toute la route, impossible de le doubler. Comment faire? Je vais tenter de passer sur la gauche. Tout simplement parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas de voiture, je vais tenter de passer sur la gauche. Mais il faisait des petits zigzags qui me faisaient vraiment peur, je n'osais pas le doubler en fait. Je me suis dit s'il se rabat sur moi, je suis mort. Alors autant vous dire que là, d'un coup, boum, vous voyez, je fais un gros sprint pour le doubler d'un coup parce que je voulais pas passer trop de temps sur le côté du tracteur. Et là, franchement, mon cœur qui était bien stabilisé a fait un gros pic. Il est passé à 199 parce que le coup de pression, l'attaque et tout, en plus ça montait légèrement. Autant vous dire que ça m'a fait un gros coup, ça m'a fait très mal aux jambes. On se rapproche enfin de la fin de ce com et je vais le finir en 11 minutes et 47 secondes. Ce qui fait dorénavant, parce que énormément de personnes ont refait le com après que je l'ai fait à ce moment-là réel, actuellement, je suis 9e de ce com, donc c'est vraiment pas terrible, mais il faut savoir que moi je l'ai fait vent de face et que sur 10 km, vent de face et les autres vent arrière, ça joue énormément. Donc le premier a fait 10 minutes 21 et moi j'ai fait 11 minutes 47, donc ça fait quand même beaucoup de différence. J'ai fait 35,6 de moyenne, le premier a fait 40 de moyenne. Voilà, il y a une grosse différence, mais il faut savoir que j'avais vent de face et que moi je n'ai pas été le refaire une deuxième fois, tout simplement parce que déjà pour la vidéo j'avais dit que je le referais pas, et parce que aussi je n'avais pas spécialement le temps de le refaire. Bon, voilà, on a les temps, je suis encore une fois 2e derrière Emile. Il a mis 11 minutes 35 pour faire cet effort et moi j'ai mis 11 minutes 48. Donc il m'a mis un peu plus de 10 secondes. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça, il est vraiment très fort ce gars. Pour le coup, j'ai vraiment tout donné. Vous avez vu, j'ai fait 189 de moyenne au cœur. Donc j'ai vraiment tout donné, j'ai fini, j'étais à 196, j'étais à bloc. J'ai perdu quelques secondes à cause du tracteur, comme vous avez vu sur l'image. Le tracteur m'a fait quand même perdre un petit peu de temps, je pense. La voiture qui arrivait dans l'intersection où j'ai dû ralentir pour la laisser passer m'a fait perdre aussi un peu de temps. Bon, ça fait partie du jeu, forcément. Donc voilà, on verra bien si j'arrive à marquer un petit peu de points. Pour l'instant, je suis 2e, donc je marque un maximum de points quand même. Maintenant, on verra pour le classement général. Alors pour tout bon chasseur de com, le repérage est ultra important. Au moins là, on sait exactement là où ça commence et là où ça finit. Comme ça, on est sûr de ne pas tomber, de bien sprinter du début jusqu'à la fin.
et de faire le meilleur temps possible. Bon, on vient de repérer un petit peu le deuxième com, et autant vous dire que ça va être un peu plus dur que l'autre parce que ça monte légèrement tout le long. Il y a à peu près la même distance. Il faut faire 29 secondes si on veut battre le record de tous les temps, mais faire 31 secondes pour battre le record actuel du challenge. Donc autant vous dire que ça va être quand même assez dur, parce qu'il est vraiment long, ça me paraît long, hein, franchement. Donc 29 secondes, je me vois pas trop faire 29 secondes sur une telle distance, mais on verra bien, on va essayer. Et puis... on va finir avec un sprint qui commence dorénavant tout de suite, hein, directement. Le sprint haut de Couëron, et c'était un sprint très court, hein, 300 mètres environ, mais qui était plutôt dans une partie montante, en fait, c'était un faux plat, on va dire. Donc ça faisait quand même mal aux jambes, hein, on va pas se le cacher, on voit que mon cœur bon, bug un petit peu, mais on voit qu'il monte très 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 vite, et je vais vraiment tout donner, et je vais passer la ligne en tête, hein. Je gagne le com du sprint, mais malheureusement, entre-temps, je vous le dis tout de suite, je suis passé 5ème, effectivement, j'ai fait 50,4 de moyenne. Sur le coup, j'étais premier du segment, mais entre temps, je me suis fait prendre toutes mes places parce que ici encore, bon, j'avais 20 faces. Comme je vous l'ai dit, hein, franchement, tous les coms du déconfinant, je les ai fait 20 faces. Alors, c'est pas un mensonge, hein, c'est la réalité. J'ai juste eu pas de chance du tout. J'ai pas été spécialement très stratégique en choisissant les coms en fonction du vent, mais c'est parce qu'aussi on filmait et on n'avait pas trop la possibilité de choisir. Je faisais surtout en fonction de la vidéo et non du vent. Et je finis donc 5ème de ce com, donc je prends 16 points. Pour le classement général, comme vous avez compris, j'ai pas spécialement gagné beaucoup de points sur ces 3 coms, mais mine de rien, c'est toujours des points de prix. Vous verrez que pour le classement général, ça se joue tellement précisément au niveau des points que chaque point qu'on prend sont importants. Bon, deuxième com réalisé, vous avez vu que ça a roulé très vite. C'était donc un segment qui devait prendre environ 29 secondes et j'ai mis 29 secondes. Je suis premier égalité avec le gars qui avait le com depuis tous les temps. Comme vous le savez très bien, pour le défi, ce qui compte, c'est uniquement les personnes qui ont pris le com entre le 11 mai et le 25 mai. Donc pour l'instant, je suis premier sur ce com. Donc j'espère que je garderai ce com jusqu'à la fin de ce défi. En tout cas, c'était très compliqué parce qu'on avait vent de face tout le long en fait. Donc c'était très défavorable. Je pense qu'avec vent arrière, j'aurais fait encore mieux. Il faut savoir aussi que quand j'ai lancé le sprint, j'étais pas non plus très rapide. Je pense que j'aurais pu le lancer un peu plus rapidement et j'aurais gagné un petit peu de temps. Après voilà, c'est juste une question de détail. Il faut savoir que nous, on fait uniquement une seule fois chaque com, on n'essaye pas plusieurs fois. Donc c'est pour ça, on a qu'une seule chance. Et donc, pour l'instant, ça se porte plutôt bien. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est ultra important. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et autant vous dire que très rapidement, il y a du lourd qui arrive, un très gros projet. Et autant vous dire que ça va envoyer du très très lourd. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.